Je suis un extraterrestre, habillé de rouge. J'ai le nombril qui dépasse. Je suis... Pas très bon en cosplay, mais quand même, avec un petit peu de Photoshop, ça passe déjà mieux. Évidemment, je suis Adibou. Bienvenue dans le monde merveilleux d'Adibou. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dimanche, et aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui a marqué l'enfance d'à peu près tout le monde, Adibou, de sortie en 1996. Oui, j'ai regardé sur Wikipédia. Clique le personnage de l'écran pour que mais je ta gueule si tu... Voilà, il me ressemble, hein, regardez. 1989, ça fait un petit peu longtemps. Un jeu qui a marqué l'enfance, je pense, d'à peu près une bonne majorité d'entre vous. Une grosse nostalgie, bien évidemment. Moi, c'était l'un des premiers jeux sur lequel j'ai passé beaucoup, alors beaucoup de temps. Nous sommes le 26, alors je vais essayer de mettre la date d'aujourd'hui pour que ce soit notre anniversaire aujourd'hui. Eh oui, je triche un peu. Comme ça, il y aura notre anniversaire tout de suite. Eh, malin! Tu vas voir, on n'a pas fini de s'amuser, toi et moi. Oh putain, sa voix quoi, mais c'est tellement fort, et le... Oh, trop de souvenirs, trop d'émotions là. Putain, comment on a pu jouer à ça? En même temps, c'est trop bien. On va bien s'amuser tous les trois. Alors, youhou, à quoi on joue maintenant? Putain, le rire d'Adibou tellement épique. Je veux mon gâteau, je veux... Tu veux une photo? Il faut qu'on ait du blé. Bonne idée. Tididididididi. C'est... En fait, je crois que le truc le plus nostalgique, c'est tous les bruitages. Donc, tous les bruitages, ils me parlent tellement. C'est impressionnant, c'est juste fou. Je sais pas vous, mais... Le retour en enfance, c'est énorme, quoi. On met plein de carottes, plein de fraises et des tomates. Elle est en arrose. Robotoc. Avec ses Robocop version toc. Le salut robotique. J'ai passé tellement d'heures dans le jardin. Faut que ça pousse. Faut que ça pousse. Encore. Encore. C'est trop con ce machin. Bienvenue dans l'arbre. Celui-là. Pas mal du tout. Merci. Celui-là. Pas mal. Hop là. J'ai toujours mis les trois mêmes. Voilà une bien J'ai jolie J'ai toujours mis ça. À chaque ça fois. Bien que les abeilles fassent. Tu vois. On va changer la couleur, regardez. Allez, on la met en feuille. Ça y est, on se transforme en jungle. Allez, clique ce que tu veux. Alors, on va mettre la niche en congelé. On va mettre la ruche en paille. On va mettre quelques fleurs. Alors, au niveau du potager à fleurs. Du potager à fleurs. Du jardin de Bienvenue fleurs. Bienvenue dans le jardin. Oui. Plop. Franchement, c'est énorme. Plop. Le sac magique. Plop. Moi, honnêtement, je m'acquitterai un petit peu, n'empêche. Hein. Quand même des sacs qui bougent d'eux-mêmes. C'est un peu perturbant. N'empêche que cocktail, il n'y a pas à dire. Il faisait vraiment des super jeux. Après, je me demande ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, en fait. Parce que les derniers Adibou n'ont pas eu le même succès, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ça serait intéressant de savoir, tiens. Bah, je joue au ballon, je prends la gueule. Ah, ça, je me suis amusé un peu vite fait, mais franchement, c'est vraiment pas le truc qui m'a le plus enchanté dans ce jeu. Hein. Coucou. Bon, à quoi on joue maintenant? Musique. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez quoi? Vous écoutez Radio Adibou. La radio des petits loups, voici. Non, je veux et pas voilà. Le savoir. Bienvenue allez, on va dans dessiner. La palette merveilleuse. La ici, palette merveilleuse. Ah. What the fuck? Et c'est trop bien ça. Oh, j'avais passé des heures là-dessus. Oh, oui, le Père Noël. Je le prenne tout le temps. Oh, puis l'autre aussi. Oh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tout ça, quoi. Oh. Ah, je les avais oubliés, ces dessins. C'est énorme. Et là-dessus, je mettais des singes. Où est-ce qu'ils sont? Je mettais des trucs comme ça, là, sur le bord et tout. Putain, mais c'était il y a 15 ans. Oh. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. On va le sauvegarder. Le garder. Oh, c'est tellement de souvenirs. On peut les choisir sur le tableau. Ah ouais, c'est vrai, ça. On pouvait mettre nos dessins.
Mais en fait, Adibou, il est franchement tellement complet. C'est énorme. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est un super bon. Oh, le jeu de casse-briques! Voilà le jeu du casse-briques! Oh putain! Clique une première fois pour commencer le jeu. Oh, je l'avais complètement oublié, celui-là, c'est énorme! C'est énorme! Oh, le casse-briques de Adibou! J'ai passé tellement de temps là-dessus! Vraiment, c'est énorme! Eh, ça va, je me débrouille pas trop mal, hein, au casse-briques. Oh, le triangle. Mais oui. Et après, on avait la montagne, la voiture, tout ça. Oh, mais c'est tellement de souvenirs. Boum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. La voiture. Voilà, la voiture, c'est ce que je vous avais dit. Choisis un niveau. Niveau 3. Niveau 3. Le bateau. J'ai toujours autant de mal avec ces puzzles, j'aime pas ça. Yes. Eh, hey, il est joli ou il est pas joli? Franchement, il est beau, hein. Un gâteau. Je veux un gâteau. Coucou. Tu que tu peux apprivoiser les oiseaux? Oui, je sais. Du blé sur le rebord. Oui, de je la sais. Fenêtre. Oui, je sais. 15 ans après, c'est bon, j'ai compris les règles. Hein. Si jamais vous voulez jouer vous aussi à Adibou 2, eh bien, il suffit de voir où taper Adibou 2. Il y a énormément de tutos, de cracks, etc. Donc, c'est très facile. Ou vous pouvez l'acheter d'occasion. Mais je suis pas sûr que ça marche avec OCD. Bref. Alors moi, mon préféré, c'est les gâteaux aux pommes. Il y a un truc qui est vachement bien foutu. Voici les recettes. C'est qu'il y a les vraies recettes, regardez. Si tu veux imprimer cette recette, on peut les imprimer et faire les vraies recettes. Pour de vrai. C'est énorme, quoi, quand même. Bon, on va se faire le gâteau aux pommes. Alors, il nous faut... Merde, déjà, je me cours. Deux espèces de confiture de je sais pas quoi. Quatre pommes. Et deux oranges. Et... Il y a du talent ou il n'y a pas de talent, là? Est-ce que ceux qui ont joué à ce jeu, c'était quoi votre truc préféré? Moi, perso, je pense que les gâteaux, c'était vraiment mon préféré, je pense. Les gâteaux, le jardinage, j'aimais bien le dessin aussi, le casse-briques. En fait, il y a plein de choses que j'aimais, mais le gâteau, je crois que c'est vraiment le truc. Le premier souvenir, ça doit être le gâteau. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez apprécié. J'aimerais bien savoir, d'avoir votre avis, parce que, franchement, ce jeu, c'est tellement de souvenirs, quoi. C'est tellement, tellement, tellement. Oh là là. Grandiose, bon, ton gâteau on va faire une photo. Déco. C'est oui. Ah bah t'as bras, papier cadeau. Et vu que c'est un bon cadeau, il ira à plop. Alors que c'était un mauvais gâteau, genre si je me suis trompé dans la recette, et ben il aurait été un mauvais gâteau pour bouzou bouzou, basi bourzo, bouzo, barti. Bref. Voilà. Alors là, je pense que nous allons toucher au poids sentimental le plus profond, la plupart d'entre vous, moi compris, il s'agit de cette fameuse musique. C'est parti. Et maintenant, voici le célèbre clip des trois petits chats. Je m'en souviens par cœur. C'est par cœur. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons, l'autre nuit sans un bruit. Pratiquement 15 ans après, je me souviens toujours, par cœur, mot pour mot, de cette chanson. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, tout simplement. Tellement, tellement je l'ai écouté. Mais je l'ai écouté des dizaines, des centaines de fois, celle-là. Des centaines de fois. Oups, paf. Récolte la baguette magique. C'est n'importe quoi. Écoutez, on va lui faire un petit truc rigolo. Il va remplir son pistolet à eau, il va arroser plop. Et sur cette magnifique fin, moi je vous laisse. J'espère vraiment que je vous ai fait revivre
beaucoup d'émotions. Enfin, en tout cas, moi, ça, franchement, c'est nostalgique, forcément. Et j'espère que vous aussi, ça vous a plu. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas connu Adibou, bah, comme ça, vous savez un peu de quoi ça parle désormais. Voilà, c'est juste top. Voilà. Beaucoup de souvenirs, bref. Moi, je vous dis bye bye et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain jeu. C'était vraiment sympa de jouer ensemble. Dis, on recommencera ?